Merci beaucoup. Le projet de résilience des écosystèmes dans le Ferlo, projet pour lequel un CRD a été tenu aujourd'hui, c'est la première d'une série de consultations que nous devons tenir aussi dans les autres régions, telles que la région de Louga et de Matam. C'est un projet très important qui consiste à transférer un volume d'eau d'environ 650 millions de mètres cubes de Kermo-Marsar d'abord jusqu'à Velengara-Ferlo d'une part et d'autre part aussi jusqu'à Dara. C'est un projet révolutionnaire parce que d'abord, comme vous le saviez, cette zone est confrontée depuis les sécheresses des années 70 à une dégradation de l'écosystème, un déplacement du personnel, il faut dire des conditions de vie très difficiles, pour ne pas dire extrêmes. Ce projet devrait permettre la restauration de tous ces écosystèmes, de redonner vie dans cette zone. D'abord, nous allons draguer le fleuve dans le Bas-Ferlo, c'est 70 km, de Kermo-Marsar jusqu'à Mboula. Et à partir de Mboula, nous allons construire une centrale photovoltaïque de 30 MW qui aura à alimenter deux stations de pompage. La première va approvisionner un canal de 110 km qui va passer par Yangyang, Barkedji, Linger jusqu'à Velengara-Ferlo. La seconde station va approvisionner un second canal qui partira aussi de Mboula jusqu'aux environs de Dara, Tchel et environ. Mais aussi, pour préserver l'environnement et permettre une valorisation de ces ressources en eau, il est prévu environ 230 km de réseau secondaire pour que la disponibilité de l'eau soit dans les zones à usage agricole. C'est un projet très important qui est parfaitement en phase avec l'axe 1 du plan Sénégal émergent de son excellence le président Macky Sall parce que ça va procéder à une transformation structurelle de la zone. Pour la région de Saint-Louis, quelles sont les localités qui sont concernées par le projet? Bon, ce qu'il faut dire, pour la région de Saint-Louis, il n'y a que le début de ce projet, surtout au niveau de Richard Toll de Taïwé, qui va être, élargi et approfondi pour augmenter un peu le débit, mais permettre aussi un aménagement dans ces environs. Mais aussi, comme on le dit, Saint-Louis, c'est presque l'agglomération, le métropole de cette zone. Donc, il y aura effectivement un impact économique sur la ville et sur les activités qui vont se développer dans la région. Aussi, ne pas oublier que OLAC, aussi à son siège à Saint-Louis, ce projet va constituer un projet structurant pour OLAC et le personnel aussi vont résider dans la ville et aura impérativement un impact sur l'économie locale. Revenu sur le coût du projet. Le projet a un coût global de 340 milliards de dollars. Bon, avec le taux actuel, il est aux environs de 290 milliards de francs CFA. Le projet a été validé par son excellence, le président Macky Sall, lors de sa mission en Chine. Et c'est dans ce cadre que nous a instruit de commencer ces consultations. Nous espérons bien démarrer ces travaux au début de l'année 2019 pour une durée d'environ 4 ans. L'impact prochain sera certainement...